Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Studio Lacan. Bonjour Catherine. Le 16 septembre dernier, une jeune femme kurde, Marsa Amini, décédée des suites de son interpellation par la police des mœurs à Téhéran. Motif de son interpellation, son voile était mal ajusté. Des soulèvements sans précédent ont alors immédiatement suivi dans tout le pays. De jeunes femmes se sont mises à brûler leurs voiles, à danser sur la place publique. On a vu une jeunesse se soulever au cri de femme, vie, liberté. Ces mouvements inédits sous le régime des Mollahs depuis 1979 ont le soutien de la majorité de la population iranienne. Le régime vacille et n'a d'autre réponse que de faire régner l'ordre de fer, la terreur. Des milliers d'incarcérations arbitraires, plus de 500 morts, de jeunes hommes condamnés à mort, des enfants tués. Devant cette terreur, après six mois, le, mou le mouvement de contestation prend de nouvelles formes. Pour discuter de ces soulèvements en Iran, de leur nature, de leur devenir, mais aussi pour discuter plus généralement de la liberté des corps et de la liberté des esprits dans notre époque et dans ces discours, nous avons l'immense joie de recevoir ce soir, dans Un divan dans le monde, Abnous Shalmani, que je salue. Puis, dans la seconde partie de cette émission, nous recevrons Guy Poblom, psychanalyste à Belgique, en Belgique, pour l'actualité de la psychanalyse. Bonjour Amnous, nous sommes vraiment enchantés de vous recevoir, M. Lacan, pour un parcours, un échange entre deux néologismes que vous avez inventés, la molarchie, monarchie des molas, et jusqu'au la question du Vokistan. Donc, la question du wokisme. Alors, vous êtes euh, écrivain, réalisatrice, euh, vous êtes aussi journaliste. On peut vous voir tous les soirs sur euh, LCI, dans l'émission Parti pris, où vous commentez l'actualité. La, Mais surtout, vous avez écrit trois, trois livres, euh, Roménie, Roménie Sad et moi. Puis, en 2014, euh, ensuite, vous avez écrit « L'éloge des métèques ». Et enfin, un livre, un roman de, euh, qui s'appelle Les exilés meurent aussi d'amour. Voilà. Alors, euh, pour commencer cet échange, euh, vous avez affirmé euh, dans plusieurs chroniques euh, écrites ou orales, le, soulève, le soulèvement en Iran est fait. Le régime va tomber. C'est une question de temps mais euh, pour, pour euh, affirmer ça euh, vous avez une distinction très précise très intéressante sur la question non pas rabot musulmane mais sur la question de l'iran et de la perse de, de l'islam du schisme et du sunnite Peut-être vous pourrez... Voilà. Oui, d'abord, alors juste pour revenir, c'est qu'effectivement il, il y a « Femmes, vie, liberté » qui est ce slogan extraordinaire, mais même dans la chanson « Baroyer », cette chanson pour, euh, il y a aussi « Hommes, euh, patrie, prospérité », parce que alors effectivement, euh, les femmes sont Extrêmement présente, mais les hommes aussi, et les hommes n'ont pas attendu. C'est-à-dire, ils sont descendus dans la rue sans même se poser la question. D'ailleurs, dans la fameuse police des mœurs qui a tabassé jusqu'à sa mort euh, Mazah Amini, il y avait deux femmes et deux hommes. 60% de la police des mœurs est constituée de femmes. Et exactement comme la révolution islamique de 78-79 a été faite par des hommes et par des femmes, celle-ci aussi suit exactement la même trajectoire. C'est une révolution qui est faite ensemble. Il y a à peu près 500 morts, euh, dont 35 femmes, euh, 59 enfants et euh, le reste c'est des hommes et c'est les hommes qui sont condamnés à mort et euh, qu'ils aient euh, 30 ans ou ce jeune homme de 22 ans qui a appelé son père pour dire ne dis pas à maman je vais être euh, assassiné donc ce qui est intéressant oui effectivement moi je pense que cette révolution elle est faite parce que la révolution la plus difficile euh, qui advient, c'est celle des mentalités. Elle est faite, le euh, renversement est là, euh, ils ne veulent plus euh, entendre parler de la monarchie euh, ils veulent s'en débarrasser, ils ont cru aux réformes, parce qu'en plus l'Iranien est, est orgueilleux et le fait d'avoir ce régime, cette république islamique, c'était aussi bravache en disant, oh, tiens, et c'est vrai qu'il y a eu des manifestations en 1999, en 2009, en 2014, en 2019, et à chaque fois, enfin, les femmes gardaient euh, leur voile, il y avait même quelques Allah akbal qui a été créé dans l'espace public, mais c'était une volonté. On veut réformer. Mmh. La réforme n'a pas fonctionné, donc en gros, ça fait 44 ans quand vous a laissé faire. Vous n'y êtes pas arrivé. Vous avez renversé la monarchie absolue pour mettre à la place cette monarchie absolue. Donc stop, on part. Je rappelle toujours que la Révolution française a commencé à Pâques 1739 quand Louis XV a refusé de communier et de se confesser. et Que là, le peuple s'est rendu compte que le roi lui-même, j'allais dire, enlevait son costume offert directement par Dieu. Donc il n'y avait plus de raison de le respecter. À partir de là, que la littérature libertine, la satire, la caricature s'est répandue dans le peuple, et donc là c'était joué, il fallait encore attendre 50 ans, mais euh, c'était bouclé, et la révolution islamique de 78-79 a mis 17 mois. Donc euh, là on est à 6 mois de protestation, donc je pense que vraiment maintenant il faut 44 ans, ils ont vraiment tapé l'incruste partout, les gardiens de la révolution qui est le bras armé et aussi le bras économique, ils détiennent 70% de l'économie, donc c'est long de, de leur retirer euh, leur jouet. Mais ça, plus l'inflation, plus la pauvreté, je pense que le cocktail est vraiment, vraiment explosif. Alors pourquoi je pense que c'est une révolution en plus qui est différente C'est effectivement, le schisme iranien est quand même une spécificité. Le schisme mmh. est vraiment une minorité à l'intérieur euh, euh, du monde arabo-musulman. Euh, c'est 10-15% euh, du monde arabo-musulman. Euh, le schisme, pour moi, est une espèce de réaction pas seulement pour moi, pour les historiens aussi, mais c'est une espèce de réaction face aux invasions euh, arabes et le fait euh, de, de, de se défendre en disant, OK, euh, nous, on va, euh, presque on va prendre au pied de la lettre euh, l'islam et on va adorer. Euh, toute la descendance de Mahomet. Donc on a commencé par, il n'a pas eu de fils, euh, Mahomet le prophète, il a eu que des filles. Le, sa fille préférée était Fatima, euh, et elle a épousé Ali. Donc à partir de là commencent euh, les saints, parce qu'évidemment dans le sunnisme, il n'y a pas de saints. C'est une religion non messianique. Dans le schisme, il y a, en tout cas dans le schisme iranien, puisque... Il y a, 12 imams, mmh. le dernier étant le Médi caché, celui qu'on attend, l'aspect messianique euh, de l'islam, ce qui fait qu'il y a quand même une vie à vivre sur Terre, parce que le Médi va venir nous libérer, alors que dans le sunnisme, euh, tout est déjà bouclé, adios, tout se passera là-haut, rien sur Terre de positif ne vous attend, ce qui change quand même énormément la manière mmh. euh, de, de, de regarder mmh. sa vie de tous les jours, et qui, j'allais dire, chez les sunnites, facilite quand même le passage à la martyre, puisque de toute façon, bah, autant crever, puisque tout se passe là-haut, et certainement pas ici. Euh, les Iraniens, en, faisant, en, en accédant à ce schisme, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris quelque part des figures du zoroastrisme, qui a je dis toujours que les Iraniens étaient plus longtemps zoroastres, euh, adorateurs, euh, même pas adorateurs du soleil, c'est-à-dire que de de la. C'est un peu une religion universelle, l'oroastrisme. il n'y a pas forcément d'interdit, sinon de ne pas tuer, euh, de, de respecter euh, le corps de l'autre et, et l'espace de liberté de l'autre, mais voilà, il faut préserver le feu, le feu sacré euh, de Mitra, de Zoroastre, à partir du moment où le soleil se lève, ça veut dire qu'il y a quand même toujours un espoir, donc c'est plutôt une religion positive, et ils l'ont mélangé avec le livre des rois, mmh. qui est le livre des rois de Ferdouzi, qui est cette espèce de de mythologie persane, et euh, auquel les figures du schisme, on peut retrouver, mais vraiment un parallèle assez facile, entre les figures euh, du livre des rois et les figures, les saints du schisme, ce qui fait que c'est un espèce de... Présente toujours le 6 comme un syncrétisme entre le zoroastrisme, le livre des rois et l'islam. Et ce qui fait que pour ces Iraniens, moi ça m'a énormément surpris, c'est des gamins de 20-25 ans qu'on voyait dans les rues en octobre et qui criaient Nous sommes les petits-fils de mmh. Cyrus. De euh, Cyrus le Grand qui a libéré les juifs de Babylone et qui a financé avec son fils Darius la construction du second temple à Jérusalem. C'est très étonnant de leur entendre crier ça le jour anniversaire de la libération des juifs de Babylone. C'est-à-dire qu'au contraire des révolutions arabes, ou quand même est l'État nationaliste aidé. Euh, par euh, l'islamisme, ont fait que dénaturer les cultures de ces pays-là. L'Algérie euh, n'est plus mmh, l'Algérie, ils ont vidé oui. de sa substance, ils n'avaient pas de quoi se retourner. Mmh. Là, ces Iraniens-là, ils sont là, mais nous, on s'en fout, on se débarrasse de l'islam, on a la Perse qui nous attend, euh, et qui est jamais partie, qui nous attend derrière. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, <laughs> tout à fait. C'est qu'il y a une tradition est qui est encore euh, actuellement dans les esprits, finalement. Alors, justement, sur ce point, en 89, Roménie lançait sa fatwa contre Salman Rushdie, mmh. Pour ces versets euh, sataniques. Dans Éloge du Métech, Abnous, vous dites que Rushdie a transgressé un interdit, celui de l'interprétation personnelle. Alors c'est un point qui nous a spécialement intéressés parce que vous mentionnez un point de l'histoire de l'islam qui est rarement, voire jamais, souligné dans les analyses. Il s'agit du terme d'ishtihad. Alors je précise juste ce que c'est, mais vous le direz plus précisément. L'ishtihad, c'est un terme qui désigne dans la tradition islamique cet effort d'interprétation sur les textes de loi. Hein. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez, pour Studio Lacan, nous en dire quelque chose et nous dire en quoi l'interdiction de l'interprétation, qui a été faite au Moyen-Âge, mmh. euh, a imprimé, d'une certaine manière, un destin mmh. sur la pensée, sur euh, euh, la philosophie dans l'espace arabo-musulman mmh. C'est vraiment... C'est toujours quelque chose qui m'impressionne. Mais pourquoi Parce que c'est... Comme si aucun penseur n'osait y toucher. Je cite Edouard Saïd, qui est quand même extrêmement connu pour son orientalisme, et juste dans la préface de l'orientalisme, Saïd dit que la pire chose, en gros, qui soit arrivée au monde arabo-musulman, c'est la fin de l'ishtiad, la fin de l'interprétation personnelle. Pour faire simple, c'est en gros à ce moment-là, entre le 11e et le 13e siècle, le monde arabo-musulman est au sommet, je veux dire, en termes territoriaux, en termes philosophiques. Je, dire, je donne toujours cet exemple-là, mais il y avait les égouts n'existaient pas en Occident, ni les bibliothèques municipales. c'était déjà Le cas dans le monde arabo-musulman, vous aviez déjà le système des égouts qui était là, donc on était vraiment en espèce de progrès. Et imaginons euh, tout un groupe d'hommes de pouvoir, des scientifiques, mm. euh, des politiques, euh, des chefs religieux qui se réunissent autour d'une table et qu'est-ce qu'on fait maintenant Puis ils se disent Oulala, elle est loin là, on est bon, hein bon ben, on va s'arrêter, mm. en fait, on va arrêter de penser. En fait, euh, on peut comme si se disaient on peut pas aller plus loin donc autant s'arrêter s'immobiliser treizième siècle vous dites entre le XIe et le XIIIe en, ça, ça a été XIe euh, ça a été acté il a fallu jusqu'au XIIIe pour qu'en gros les quatre grandes écoles juridiques donc il y avait les moutazilites qui étaient en gros les plus progressistes ceux qui remettaient en cause le texte en disant bah ça c'était adapté du temps de Médine mais là c'est quand même un, un, un petit peu on a passé le temps donc c'est plus adapté et en gros ce qui a donné le wahhabisme euh, qui est en gros a gagné hein, mm. aujourd'hui dans un terme financier etc et donc du coup ils ont arrêté d'évoluer, mais volontairement, je bah monsieur, on s'arrêtait d'évoluer, ce qui est déjà quand même un, déjà un moment historique ex extraordinaire. Et ça qui est intéressant, c'est qu'un jour je finirai par répondre à l'orientalisme d'Edouard Saïd, puisque c'est moi c'est cette phrase qui m'a le plus choqué, parce que si en fermant les écoles juridiques, en arrêtant de penser, si... Le monde arabo-musulman a été écrit par l'Occident, mais parce qu'il n'y avait plus personne qui avait l'autorisation de l'écrire dans le monde arabo-musulman, puisque ça valait une condamnation à mort. Tout devait rester immobile, donc on ne pouvait plus le penser, on ne pouvait plus créer de narratif. Le récit a disparu, a soudain disparu du monde arabo-musulman. Et je pense que c'est la plus grande tragédie, c'est ça qui a accouché dire, de, euh, du terrorisme, mais du terrorisme qui existait déjà au XVIe siècle, etc. Mais c'est vraiment ce moment de bascule qui a créé... Euh, la colonisation, c'est-à-dire que sans s'ils si avaient continué à progresser, euh, dire, il, y eu, il y aurait eu un égal à égal avec l'Occident, la colonisation aurait été euh, impossible, puisqu'on colonise ce, euh, ce qui vous est inférieur euh, d'un point de vue militaire, euh, il y aurait, tout le monde aurait été alphabétisé parce qu'il y aurait eu besoin euh, de mmh. continuer à nourrir le récit. Et pour moi, ce que fait euh, Salman Rushdie avec les versets sataniques, alors quand même, je rappelle, c'est le livre de l'immigration, les versets sataniques, c'est qu'en plus c est, c est, c est cette horrible chose qu'a fait Khomeini a coupé euh, des millions de lecteurs pour qui ce livre est écrit, parce que c'est le livre de, de l'immigration, peut-être le plus beau livre qui a été écrit sur l'immigration, sur qu'est-ce que l'immigration, qu'est-ce que le masque de l'immigration, c'est absolument passionnant. C'est un tiers de la narration qui est dévolu au verset satanique. Donc ce que fait dit, c'est qu'il bah, continue la tradition de l'Ishtiade, c'est-à-dire qu'il transgresse un interdit, euh, j'allais dire séculier, pour revenir à, un, à, à une à une tradition, tradition. islamique. Mmh. Donc c'est tout ça. Alors Rojdi est très blasphématoire dans énormément de ses bouquins, mais le comique, c'est que pas dans celui-là. Mmh. C'est que dans Les Enfants de minuit, totalement blasphématoire. Dans Furie, il est blasphématoire. Dans tous ses bouquins, il est blasphématoire. Non, non, mais les versets sataniques, justement, c'est de reprendre le fil de la tradition. Et euh, Fethi Ben Stama, dans un livre qui a été publié il n'y a pas longtemps par le sacrifice de Rojdi, il a raison. Et dit là, ce qu'a fait Rojdi aussi, c'est de poser la question et de, en gros de ouvrir le terrain de combat c'est à qui appartient la narration à qui appartient le récit et ça c'est vraiment intéressant et de faire ça c'est quelque part autoriser tous les musulmans que ça intéresse qu'ils soient euh, j'allais dire athées ou pas mais en tout cas qui sont de tradition euh, musulmane à se réapproprier un récit je veux dire ce n'est pas pour rien bon. qu'il n'y a que un seul livret dramatique dans tout le monde arabo-musulman qui est le tasier et qui n'existe mmh. que chez les chiites je veux dire, pour ceux que ça intéresse Peter Brook euh, mmh. dans les Années euh, en 66 ou 67, a été invité par la Chabanou, euh, la, la femme du chat, avait créé un festival de théâtre à Shiraz et euh, Peter Brooks a fait, a mis en scène un tasier qui est le martyr de Ali de, et de ses deux fils Hussein et Hussein euh, qui, euh, qui marque la, la, la naissance du schisme. C'est le seul livret dramatique de tout l'islam. Je trouve que rien que ça, ça résume et ce qu'a fait Roche et la différence entre le sunnisme et le schisme. Ben, merci pour, pour, pour ces précisions. Alors revenons un peu à, à vous et à votre livre Roménie, Sade et mm. moi. Euh, vous avez écrit « J'ai charge d'histoire » et on, mm. on l'entend euh, maintenant. Et donc vous êtes chargé de votre propre histoire oui, euh, oui. dans ce livre. Euh, alors, euh, vous l'avez écrit en... Peut-être j'ai envie de resituer ça pour... Euh, vous l'avez écrit en, le départ, c'est en 2012, au moment des oui, attentats oui, de Toulouse, fait, oui. euh, de, ouais, de Mera. Ça m'a commencé à me venir en tête en, 2012, à, je à, à tête. en 2013. C'est-à-dire au moment où le mm bout des tabous, a été touchée. C'est une petite fille qui a été tuée à bout portant. Vous à, êtes à, bout ça, touchant, à bout touchant. À bout touchant. Il l'a poursuivie, l'a attrapée par les cheveux, il lui a tiré mille armes sur la nuque et a tiré. Ce qui est dans, quand une même dans, dans une, une école. Et dans une école. Et on sait aujourd'hui que des jeunes filles sont gazées mmh. en Iran. Euh, voilà. Alors dans ce livre, vous, vous parlez de votre propre histoire et vous engagez au fond les hommes et les femmes à traverser trois. Trois grands auteurs, trois, trois types de, 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 de littérature euh, comme, comme une voie à traverser. Alors la première, c'est Pierre Louis, euh, donc le plaisir du corps. Ensuite, toute la littérature libertine. Et euh, vous allez jusqu'à Sade, c'est-à-dire cette traversée de, de l'horreur et de la honte nécessaire à euh, libération de soi. Est-ce que vous pouvez nous Revenir un peu là-dessus sur, sur pourquoi pour vous engagez euh, euh, un peu chacun à traverser ces lectures-là et à s'interpréter. Allez. Bah, c'est toujours une histoire. Tout commence toujours par une histoire d'amour. C'est quand même toujours la base. Moi, je suis tombée mmh. amoureuse de Pierre-Louis. Je pense c'est la première fois de ma vie où je suis tombée amoureuse. Donc c'est marrant. À... 13 ans de tomber amoureuse d'un auteur décédé en 1925, mais, euh, mais je dis souvent, Pierre-Louis m'a fait faire, m'a fait comprendre, m'a fait toucher, m'a fait faire la vie euh, à la française. Et que j'ai compris l'esprit français, je pensais là, où avant même d'avoir les papiers, je suis devenue française grâce à Pierre-Louis. Pierre-Louis, d'un coup, a complètement... Dire ouvrier, mais il a ouvert la, la boîte de Pandore du rire, et c'est étant que je le veuille ou non, mais même si j'ai des parents extraordinaires et, et, et un père qui a essayé tout le temps de dédramatiser euh, ce qui est le vécu, euh, le vécu de mon enfance, le vécu iranien, le port euh, du foulard, euh, tout cette espèce d'étouffement euh, euh, en en faisant un, un rire, en me soutenant quand je me mettais qu'une nu à l'école, même s'il avait fait tout ça, je pense qu'il y avait encore quelque chose dans ma tête que le corps. Le sexe, euh, la chair était forcément liées euh, à un drame, à un interdit. Pierre-Louis, ouais. qu'est-ce qu'il fait Il introduit le rire. Et tout d'un coup, le sexe est ludique, la chair est, est, est source d'amusement et d'amusement intellectuel. C'est-à-dire que quand il fait des espèces de quatrains érotiques, voire pornographiques, c'est à mourir de rire. Moi, je me marre, je, 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 je suis vierge comme Jeanne d'Arc, je découvre ça, j'ai 13 ans, mais je me marre toute seule. C'est extraordinaire de parler de pines, de chattes, avec mais tellement de légèreté. Donc déjà, il me guérit, c'est un pansement il me guérit, euh, j'allais dire, dans, De la chair la, triste. De la chair triste, de la chair obscure, de la chair, de la, de la chair qui est dans l'interdit, en plus, quand interdit, qui peut mener jusqu'à la mort. Mm -hmm. J'ai en, en, en Iran, euh, relations sexuelles hors mariage, paf, euh, à la pendaison, à la prison, à la pendaison. C'est quand même vraiment cette espèce de rapport qui existe entre le sexe et la mort, mais elle va institutionnaliser. Euh, de là, forcément, je commence à m'intéresser à euh, tout ce qu'il y a. Enfin, en gros, dès que je vois sexe, euh, quelque part, je, je réagis. Il se trouve qu'on s'était installé rue de la Roquette, dans un quartier de la Bastille. Donc, forcément, dès le départ, écoutez, je pense je pensais le cas de beaucoup de, de Metec et d'exilés, il y a ce côté, de se rattacher à l'histoire, mmh. de comprendre, de prendre ses marques, d'autant plus pour un métèque où je suis tombé, de s'accrocher aux pierres. Donc, je m'intéresse au quartier c'était là la prison de la Bastille et de là je tombe sur la littérature libertine, donc là après la dimension ludique etc, je tombe sur la dimension politique c'est que tout d'un coup euh, la, ce que m'offre la littérature libertine comme grille de lecture, d'abord j'ai l'impression qu'il parle des, 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 des mollas, parce que toute la description qui fait de l'hypocrisie des curés des interdits qui n'ont absolument pas de sens mais enfin, est-ce que vous croyez vraiment qu'un dieu euh, va vous en vouloir parce que vous avez mangé euh, de la viande le vendredi et pas du poisson, mais enfin sortez de votre délire, enfin, il y a quand même un, tout un truc, et le tout et où toutes ces conversations philosophiques, d'où la littérature libertine, ont lieu. Dans, euh, au milieu euh, débat sexuel. Donc, il y a une espèce d'excitation, parce qu'on le voit une fois en ouvrant un, un livre de la littérature Liberté, mon préféré étant évidemment euh, Thérèse Philosophe, vous ouvrez ce bouquin, quand même des scènes euh, clairement de cul, et au milieu il s'arrête, euh, puis il dit oh, ⁇ Mais alors, euh, qu'est-ce que tu penses de la liberté de penser et de Dieu ?⁇ Et puis l'autre commence à répondre le cul à l'air, euh, mais c'est absolument extraordinaire. Et de là, donc, cette idée euh, qui, 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 qui a renversé euh, la, la monarchie absolue. C'est cette idée qu'on peut pas libérer la tête sans libérer le mmh. corps. Que le corps entravé est, est, un, est une frontière pour l'esprit libéré. Alors, quand je découvre ça, je me dis, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et dans la tête, je me dis, mais il faut bombarder tous les pays arabo-musulmans et de la littérature libertine. La clé est là. C'est là aussi que j'ai découvert... La seule auteure contemporaine euh, libertine euh, qui a écrit « l'amende euh, le traversée des sens euh, », qui écrit sous pseudonyme, qui doit être algérienne, qui est absolument extraordinaire, et qui reprend tous les codes euh, de la littérature euh, libertine française, qui l'adapte euh, aux pays euh, moyen-orientaux maghrébins, et qui, euh, voilà, rien que le fait de dire tous les mots du sexe euh, libère. Et il faut absolument que ce corps s'exprime, et ce corps ne peut s'exprimer qu'avec le verbe. Alors là, moi, je suis, je suis conquise, alors forcément, en par là. La... Et là, tout d'un coup, je sur ça, mmh. et alors là, là, non, mais là, je pense que voilà, il y a des rencontres comme ça dans la vie. Je quand, quand j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et je dis souvent que je suis née plusieurs fois, mais effectivement, et mon exil a été une deuxième naissance. Mais je pense que plus que tous, une de mes grandes naissances, ça a été le marquis de Sade. C'est que moi, j'arrive à à marquer ça dans l'état d'esprit, j'allais dire, de Pierre-Louis et de la littérature libertine, sautillante et joyeuse, et paf, comme dit et lebrun soudain ce bloc d'abîme. Et là, je tombe sur ça, au milieu euh, des, euh, des lumières, euh, et quelque part, il, il, est, il, il introduit l'obscurité, mais une obscurité, mais qui est le cœur de l'homme, et le corps de l'homme avec une espèce de... Aucune limite. Mais là, je découvre ce que c'est d'avoir aucune limite. Là où je découvre qu'on ne peut pas être pour la peine de mort, contre la peine de mort à moitié. C'est que vous savez, souvent les gens disent ah, je suis contre la peine de mort, sauf pour les tueurs d'enfants, sauf pour les. Mais en fait, non, 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 non. Vous êtes contre la peine de mort, vous n'êtes pas contre la peine de mort. Il n'y a pas de contre la peine de mort à moitié. C'est ça, Assad. C'est qu'il n'y a rien de moitié. Et, euh, et, et c'est ça qui est extraordinaire, Assad. C'est qu'il m'ouvre les ténèbres et en ouvrant les ténèbres, il m'installe définitivement dans les lumières que ce soit même dans la mmh. lumière en forme symbolique mais dans les lumières dans le 18e siècle parce que en plus je découvre très rapidement qu'il a passé 27 ans en prison que tout ce qui a été écrit a été écrit enfermé donc mmh. Tout d'un coup, tout prend un autre sens. Et surtout, alors, c'était déjà le cas dans la littérature libertine où les, 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 les narratrices sont des les narrateurs, sont des narratrices. Donc, déjà, c'est extraordinaire. Mais avec Sade, elles ne sont pas justes, elles sont terrifiantes. Une, un amour pour Juliette qui est extraordinaire. Mais même Justine, c'est qu'en fait, Justine, mais elle adore se faire maltraiter. Et il y a un effet comique que je retrouve. En plus, je retrouve quand même euh, l'humour de Pierre-Louis. C'est qu'à un moment, Justine, qui ne croit qu'à la vertu, qu'il faut faire le bien, donc elle dénonce. Elle refuse de dénoncer un, un type dont elle est amoureuse, qui est un voleur, un tueur, etc. Donc celle qui se retrouve en prison et lui, il va pas la sauver. Elle, elle se fait violer 32 fois, tabasser, massacrer. Elle sort de là. Puis dans la forêt, elle voit une petite église en bois toute jolie. Elle dit Oh, je vais aller prier. Elle arrive. À peine elle prie, la foudre s'abat et l'église lui tombe dessus. C'est extraordinairement drôle. Et ce qui est fabuleux, c'est que vous, elle n'a pas une seule trace. Hein. Elle n'a pas de cicatrice. C'est qu'elle se fait maltraiter. Et ce corps, cette vertu se renouvelle à chaque fois, comme si voilà, le plaisir de pouvoir ressalir cette virtuelle qu qu'avait mmh. et Juliette, enfin mmh. je ne sais pas, dans, dans les 120 jours, je dire salou, parce que le film de Pasolini mmh. est extraordinaire, mmh. Mmh. mais ouais. dans les 120 jours de Sodome, les, celles qui tiennent le narratif, on revient à la narration, c'est quand même pas rien le récit, qui tient le récit, c'est quatre historiennes, ces quatre mères maquereles les plus connues qui existent, c'est elles qui tiennent le narratif, c'est elles qui donnent de l'âge, c'est elles qui décident de l'architecture du récit. Donc euh, du même coup, je découvre des femmes extraordinaires, je découvre aucune limite, et là je me dis aussi, parce qu'à un moment j'étais gênée, c'est quand même très très gênant, de, surtout j'avais 15-16 ans de lire ça à le même quand mon père rentrait, il savait très bien ce que je disais, je le cachais, j'étais extrêmement gênée. Et il me dit, mais pourquoi tu caches J'étais là, mais c'est quand même, c est, c est, je, 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 je crois que même, même encore quand je relis, je rougis, hein. il y a des moments où je suis, ah, mais c'est pas possible ça quand même. Mais, mais il y a une espèce de traversée des ténèbres pour mmh. arriver à la lumière et y rester c'est que grâce à ça, je n'ai jamais, euh, jamais quitté les lumières il est extraordinaire alors justement abnous donc vous l'avez déjà un peu présenté mais il y a une thèse forte qui parcourt vos interventions mmh. vos textes vos chroniques c'est pas de libération possible des esprits ah. sans une libération des corps ah, je cite juste Roménie, Sade et moi, vous dites le corps est la clé de la libération. Mmh. Vous dites aussi, dans le même livre, la liberté du corps est indispensable à l'indépendance. Vous l'avez déjà un peu développé, largement développé, mmh. avec la rencontre que vous avez faite à l'adolescence avec la, de la littérature libertine et Sade. Est-ce que vous pouvez néanmoins revenir sur cette idée et comment elle s'inscrit, surtout dans les coordonnées de votre expérience personnelle C'est déjà, il y a quelque chose qui m'a toujours assez impressionnée dès que j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est à quel point, alors à partir du. Euh, c'est assez, assez vite quand même. C'est euh, les j'adore l'histoire le, du vêtement. Euh, résumé par l'histoire de la mode, mais l'histoire du vêtement, c'est à quel point est-ce que le corps féminin a toujours été entravé, c'est-à-dire empêché de se mouvoir. mouvoir. C'est-à-dire que ce soit euh, les corsets, euh, les couches de vêtements, euh, impossible de courir. D'où la révolution euh, Gabrielle Chanel de Coco Chanel qui arrive, qui non seulement, parce que c'était une chose, Paul Poiret avait déjà retiré le corset, mais il a retiré le corset, et rajouté euh, des tas de vêtements, des plumes, des trucs serrés à la taille. Vous n'arrivez pas à respirer même s'il n'y a plus de corset. Et euh, Coco Chanel arrive, elle, mmh. elle retire ça, elle met euh, des, des, des robes amples. Et d'ailleurs les premières photos qu'elle fait avec euh, euh, sa, sa, sa cousine, qui était une, une sorte de courtisane, enfin Une concubine euh, d'un homme marié, c'est qu'elles font des photos, euh, c'est à Deauville qu'elle a monté au monde de la guerre, euh, Coup de génie, sa première boutique, elles font des photos euh, en extérieur, euh, en train de, de grimper euh, l'arrière-pays, etc., pour montrer euh, une femme quand même qui, qui fait quasiment un grand écart pour monter un corps comme ça, ou là là, c'est quand même très choquant. Je pense qu'il y a quand même, et on dit toujours combien d'écrivains ont écrit euh, un petit fascicule pour dire que pour trouver leurs idées, ils marchent ou ils courent classique et tout ça participe de la même idée. C'est que le corps féminin ayant été entravé, parce qu'il y avait aussi en plus l'idée de contrôler la sexualité, pour atteindre l'entrejambe, il fallait mettre quand même un certain temps. Il hein, fallait quelqu'un pour s'habiller, se déshabiller, même chez les, dans la paysannerie, c'était pas si simple. Il y avait quand même plusieurs jupons, etc. Donc il y avait déjà l'impossibilité d'atteindre l'entrejambe, de mettre plus de temps à arriver, de recouvrir ce corps en couche d'oignons euh, qui est absolument insupportable, et d'interdire le mouvement. Et dire le mouvement, c'est la vie. Mmh. C'est dès que vous commencez à vous mettre mmh. en mouvement, là vous êtes en vie. Donc il est impossible de penser, il est impossible de, de laisser. Vous voyez, c'est vrai que expression laisser son esprit s'évader sans avoir euh, le, le, le corps qui, qui s'évade, c'est impossible. Alors, Alors précisément, oui. euh, précisément, il y a une scène inaugurale dont vous parlez oui. dès la première page dans Roméni <laughs> à des mois. Oui. Donc vous avez six ans, je crois. Euh, le régime des mollahs euh, advient en 79. Oui. Le 1er avril, d'ailleurs, qui est le jour de votre anniversaire. Oui, me je ça avec la Et donc, histoire. quelle réaction avez-vous face à l'obligation pour toutes les petites filles et toutes les femmes de ce pays de mettre le voile oui, Je me, me mets dire à poil. Vous mettez j'ai six ans, alors évidemment que ça a été réfléchi après coup. C'est que sur le coup, je euh, même autour de moi, on se disait pas, mon Dieu, elle vient de faire un espèce d'acte euh, féministe féminin ou d'une innocence totale. Ce qu'on me colle, une... alors c'était il y avait la robe, le pantalon, alors, je... ma mère l'avait fait elle-même pour mettre des petites plis pour que ça ressemble pas à un, à un, à un suaire, quoi. Et j'avais une espèce de cagoule qui descendait là. J'étouffe, ça gratte, j'aime pas ça. Moi, j'ai passé une enfance extrêmement libre, à courir partout, et je, suis, oh là là, et je me retrouve dans la cour. Je ne sais pas quelle connexion cérébrale a eu lieu dans mon cerveau, mais je me déçape. Mais, mais avec une joie, mais je m'en souviens encore. Et là, je me déçape, je suis cunu, vraiment Vraiment, j'hésite sur la culotte quand même. Et j'y vais, et je traverse la cour en courant. Manque de bol, beaucoup de bol, les dames corbeaux, les. Surveillant et profs me courent après avec leur tchador. En plus, c'était nouveau, donc elles n'avaient pas trop s'en servir. le truc. Il y en a une qui se casse la gueule c'est bon, ben, mon enfance est faite, j'adore cette séquence. J'adore me mettre nue, j'adore courir. Mais là où j'ai compris sa dimension politique, et c'était au moment où j'allais je, je, écrire Reménissa des mois », ça a été c'est qu'en Égypte, il y avait eu les révolutions. Mmh. Les printemps arabes et il y a eu cette femme, cette jeune femme égyptienne qui avait posté une photo d'elle nue sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un texte superbe où elle dit voilà je montre un corps de femme nue juste pour dire qu'il n'y a ni le corps d'une femme n'est ni le lieu de la honte ni celui de l'honneur de qui que ce soit. Et moi je prends cette photo comme une claque en me disant mais mon cul nu d'enfance et le cul nu de cette femme je dis 35 ans plus tard, la seule réponse à opposer à Roménie, c'est un cul de femme. Justement, euh, la question du, du regard sur le corps des femmes, mmh. en général et particulièrement euh, pour, pour les pays musulmans, vous en parlez très bien mmh. euh, à plusieurs moments, mmh. et notamment vous, vous, vous avez une interprétation comme ça, une lecture sur l'aura. Mmh. Euh, Peut-être vous, ce troisième œil oui. comme ça, qui, qui, qui est... Là où la vrai, femme est Dieu et est le ça. voile comme intermédiaire. Peut-être que vous pourriez... Tout commence toujours, soit par l'amour, soit par le cul. Et là, ça commence évidemment par, par le cul. C'est euh, euh, Agar, c'est Abraham. C'est euh, Abraham et Sarah n'arrivent pas à avoir d'enfant, et donc du coup, euh, Sarah convainc sa servante Agar euh, de euh, d'aller dans le lit d'Abraham pour faire un enfant. De, cette, de ce lit euh, va naître euh, Ismaël avant Isaac. Et c'est après à 86 ans hein, que Sarah finit par accoucher d'Isaac et renvoie et envoie euh, de peur qu'il arrive quelque chose à Isaac, envoie euh, euh, Agar et Ismaël dans le désert. Les voilà dans le désert, euh, euh, son fils sauf là elle s'énerve quand même Agar et là elle fait cette chose qui est absolument interdite dans le désert elle s'adresse directement à Dieu en disant mais enfin tu vas quand même pas me laisser crever avec Ismaël ça va pas du tout ton affaire et de là elle voit tout d'un coup euh, une, une source d'eau et c'est comme ça qu'Agar et Ismaël sont sauvés deux choses la première c'est combien de fois apparaît le prénom d'Agar dans le Coran zéro fois ce mmh. qui dit quand même qu à la base il y a un problème avec le texte euh, coranique vis-à-vis euh, -vis des femmes, vis-à-vis -vis de l'égalité, vis-à-vis de la liberté. Agar disparaît. Aucun, quand on fait des... C'est quand même intéressant, on regarde l'État civil, personne n'appelle sa fille Agar. Agar, quelque part, c'est la mère de, du fondateur de l'islam. Mahomet descend d'Ismaël. Pouf Pas d'Agar. Mmh. Agar disparaît. Sarah... Euh, n'apparaît pas sous son prénom, apparaît sous le femme d'Abraham dans le Coran, et la seule femme qui est autorisée, le seul prénom de femme qui est autorisé dans le Coran, c'est Marie, qui apparaît plein de fois mais comme elle est vierge, ça arrange tout le monde et, et d'ailleurs c'est quand même, voilà, encore une fois une chose extraordinaire une femme a le droit d'apparaître si, euh, je dire, elle n'a pas été touchée, si elle a pas, son corps ne s'est pas exprimé, donc Agar parle à Dieu de là, alors il y a plusieurs interprétations mais j'aime beaucoup celle-là, c'est que si elle a pu euh, communiquer avec Dieu et si Dieu a pu lui répondre, c'est que euh, Agar, comme toutes les femmes, a un troisième œil mm au-dessus de la tête. Voilà. Et ce qui justifie le fait de mettre le voile, c'est justifié quelque part comme si les hommes avaient fait une énorme crise de jalousie en terre par terre, genre d'où elles, ces femmes, elles ont droit de communiquer avec Dieu. Donc en les recouvrant, on peut interdire ce lien direct avec Dieu. Déjà, en soit passionnant. De laura de cet œil interdit mmh. est née la honte et l'interdit. Donc en gros, laura c'est là où vous n'avez pas le droit, que vous n'avez pas le droit de montrer. Ce qui est quand même intéressant Donc, chez les hommes, vous avez en Iran, a interdit pour les hommes. Hein. Vous avez pas les manches courtes, les Bermudas, mmh. etc. Parce que d'un coup, on regarde un mollet d'homme, vous ne pouvez pas vous retenir, il faut que vous rempiez, que vous léchiez le mollet, ce qui arrive quand même régulièrement dans les pays où les hommes portent des Bermudas. Donc en terme comme ça, et petit à petit, ça devient tout le corps de la femme quelque part. parce qu'à part les mains, euh, les pieds, c'est quand même un peu tendancieux, euh, devient un interdit de voilà. laura le lieu de l'interdit du péché de l'absolu donc en fait c'est comme si tout le corps et les cheveux enfin tout, tout, tout et encore bah, certains le visage le visage c'est venu plus tard hein, c'est vraiment venu c'est chez les wahhabites, mm -hmm. une espèce de tradition euh, mm -hmm. politique histoire de dire euh, c'est ma possession je mets des grilles euh, directement euh, mais il y a quand même cette idée que tout ça transformait quand même tout le corps de la femme en une espèce de sexe géant c'est que vraiment, c'est que tout, tout, les cheveux, tout, tout est un appel à la culbute. Quoi. Et c'est ça qui est absolument, enfin c'est là où on tombe vraiment, je pense, dans la pathologie. D'ailleurs, Fethi Ben Sama a énormément bossé sur les cas cliniques de femmes qui devenaient carrément dingues à force de porter le voile, et dans tous les interrogatoires qui ont été faits avec euh, ces femmes-là, c'est qu'elles parlent, et c'était pas au courant de cette histoire, parce que personne ne connaît Agar, c'est qu'elles parlent toutes d'un troisième, troisième mot, mot. Ouais, qui les ça. surveille, mmh. qui les regarde, mmh. qui, qui les clair. espionne. Oui. D'où la difficulté mmh. de l'enlever, mmh. ce voile, c'est mmh. absolument fascinant. Alors Abnous, je passe à un autre aspect de votre pensée, je passe à le, votre essai « Éloge du métèque mmh. ». Alors, vous remettez en usage ce signifiant de métèque, qui a aujourd'hui pris dans la langue française une connotation plutôt péjorative. Le métèque, c'est celui qui est insaisissable. Ni d'ici, ni d'ailleurs, son identité flotte, échappe. Et d'ailleurs, j'ai été frappé par la récurrence de ces termes, ces deux <laughs> verbes, flotter, échapper, noués toujours à la question du ouais. corps, de l'identité et de la liberté. Alors, est-ce que vous pouvez revenir pour nous euh, sur euh, la figure du métèque Elle recouvre pour vous, et en quoi finalement, elle pourrait être le meilleur antidote à l'identitarisme ambiant c'est la seule. C'est qu'à l'événement, c'est une définition euh, juridique. Hein. Le métèque, c'est celui qui vit là où il n'est pas né. Aristote était un métèque. Alors, Aristote avait beau être. Le, le prof, hein, le grand prof d'Alexandre le Grand, il a quand même été exilé. C'est un conservateur en plus, hein, Aristote. Donc encore, euh, le métèque doit être progressiste. Et c'était un vrai conservateur, Il était très 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 square, très carré, très, très très sérieux. Mais Aristote était un métèque. Et donc c'est parti de là. Moi, je fais partie euh, de, de ces gens euh, qui sont, qui vivent là où ils ne sont pas nés. Et j'allais dire, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant avec le métèque, mais surtout qui prend en fait aussi toute sa dimension aujourd'hui avec cette guerre identitaire mmh. où chacun euh, se réclame. c'est Moi, je suis, une, je suis vraiment une individualiste Et je suis vraiment une libérale dans le sens où je pense ne représenter que moi. Aujourd'hui, euh, on est en train de ça. c'est ce que fait le Wakistan, c'est que voilà. vous représentez une tribu, une collectivité, une famille. C'est votre corps. Mais Auria Boutelja, euh, qui, qui pousse le truc le plus loin, qui est complètement, mais 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 qui dit quand même quelque chose à l'extrême, qui, qui est une réalité. Elle dit mon corps ne m'appartient pas, il appartient à ma famille, mmh. à l'islam, à l'Algérie, certainement pas à la France, même si elle y vit. Mais c'est quand même intéressant. C'est euh, pour moi, la figure du métèque, là où du coup je me, je, je me love dedans, où je suis, je suis bien, c'est que le métèque est donc forcément en rupture avec son pays d'origine, puisqu'il n'y est plus Et physiquement, bah, c'est un déplacé, mais il est aussi en rupture avec la communauté d'origine, forcément artificiellement reconstituée dans le pays d'adoption. C'est dans ça, cela où il flotte. C'est que vous n'êtes pas un métèque quand vous continuer, j'allais dire, à vivre les us et les coutumes de votre pays euh, d'origine, euh, d'en reconstituer dans votre pays d'adoption. C'est que vous êtes encore extrêmement relié, même si c'est artificiel, mmh. mais c'est plus... Vous continuez à faire comme si. Euh, moi, j'aime pas faire comme si, sauf pour écrire. Euh, c'est ce que je préfère, ce qu'on ait l'imaginaire. Mais dans la vie vraie, euh, j'aime bien ce statut que me donne le métèque. Et, je, je, vraiment, je... et on peut être un métèque. Mais Colette, pour moi, est une, est une métèque. C'est une métèque de l'intérieur. Mais les textes de Colette, quand elle arrive à Paris... Avec Willy, euh, son dépaysement, même le fait que le beurre n'a plus le même goût, qu'est-ce que c'est que cette confiture, mais enfin, où est-ce que je suis tombée Les œufs, même un, un œuf au plat n'a plus le même goût que celui de son enfance, absolument, tous ces textes-là sont absolument passionnants. C'est vraiment cette idée-là, je flotte. Et, je, et non seulement ça me fait plaisir, alors oui, évidemment, ça, ça a aussi des aspects extrêmement négatifs, mais, mais c'est Sabina aussi dans l'insoutable légèreté de l'être mmh. qui, au final, décide qu'elle se rend compte que qu'elle va, elle aussi, mourir, qu'elle ne veut pas être enterrée, puisqu'elle n'a aucune terre où être enterrée, puisque la Tchécoslovaquie lui a interdit, etc. Qu'elle vit aux États-Unis à énormément de succès, mais elle n'est qu'une métèque, et qu'elle choisit euh, ouais. l'incinération en disant, voilà, on va transformer quelque chose de négatif en positif, je vais enfin, enfin, finalement, ce flottement... Éternel est celui qui correspond le plus au Métech. Et je trouve que c'est une telle réponse à envoyer, mais au visage de tous ces gens qui sont là, mais vous êtes rien du tout au fait de la vérité. Déjà, cherchez en vous, euh, parce que chaque individualité est une singularité, donc arrêtez de vous rattacher. Moi, les communautés iraniennes ou autres qui sont là et qui font semblant, et alors surtout là, avec ce qui vient de se passer en Iran, tout le monde est redevenu absolument iranien, ben enfin. Une déconnexion totale, vous ne pas savoir qu'est-ce que c'est de vivre sous le foulard depuis 44 ans comme elle et que la manière dont elles sont en train de se rebeller, c'est quelque chose... Moi, bon, à la limite, je peux avoir un vague souvenir parce que je me souviens encore de, ce... de cet étouffement. Mais là, des filles qui sont nées qui sont de parents iraniens ici et qui ont l'impression de faire la révolution en, en se coupant euh, la pointe des cheveux, stop, flotter. C'est quand mmh. même beaucoup plus agréable. Bien, on va devoir, euh, hélas, euh, ah, s'arrêter. On n'a ben, même pas parlé oui. du Vauquistan. Et on n'a pas parlé du Vauquistan. Alors peut-être que vous pouvez le faire, parce qu'en un mot ou deux. Euh, alors, le Vauquistan. Donc le Vauquisme, la cancel culture. Ouais. Le euh, Saint City Readers. Ouais. Euh, C'est au retour du puritanisme, de l'interdit voilà, dites C'est Khomeini euh, reconstitué euh, euh, par un espèce de progressisme qui a perdu le Nord. C'est cette histoire de mots interdits. Cette histoire de. Euh, faut plus utiliser certains mots où euh, toute la littérature du 19e siècle devient illisible parce qu'il y a de l'antisémitisme, il y a du racisme. Évidemment, c'était l'époque. Chaque époque, vous ne pouvez pas changer le passé pour absolument le faire rentrer dans vos canons d'aujourd'hui. Et justement, pour comprendre comment nous sommes sortis de cet antisémitisme de salon qui était de Bonalois, comment nous sommes sortis de ce racisme-là, c'est bien... En regardant la progression de la littérature, de comment les hommes pensaient, comment les hommes vivaient, comment les femmes y répondaient, mais là, cette espèce de vokistan, pour moi, c'est vraiment ça, c'est remémorer, reconstituer, mais mmh. c'est exactement la même chose. C'est on interdit des mots, euh, on interdit des livres, on considère qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de lire ou qui ne sont pas capables de faire la part des choses. Mais enfin, c'est quand même prendre les mmh. gens, et je trouve que c'est ça, c'est vraiment prendre les gens pour des cons et imaginer. La seule chose qu'on peut répondre, c'est relire James Baldwin, c'est relire France Fanon, c'est relire des titres qui avaient vu venir ça, qui avaient vu venir déjà le monde des interdits, qui déjà à l'époque le réfutait. Mais moi, alors après, je suis une grande optimiste, c'est que là, je pense qu'on est arrivé tellement loin. Je veux dire, au Canada, on brûle des livres dans, des, dans les cours d'école. j'essaie des, 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 des Lucky Luke, des, euh, des, 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 des Tintin, ce euh, prétexte de mauvaise représentation, mais même des auteurs autochtones qui euh, dénoncent, qui racontent l'alcoolisme euh, chez les autochtones. Non, il oui. ne faut ne donner qu'une mmh. image Allez, positive. Ben vous en parlez, c'est l'état moral dans l'état politique et vous en parlez ça. très bien dans votre dernière chronique ouais. dans l'Express. Alors un grand merci à nous, Chalmany, pour merci, votre présence plaisir. ce soir. Restez avec nous pour euh, l'actualité de la psychanalyse qui va nous être présentée par Guy Poblome. Bonsoir Guillaume, vous êtes psychanalyste et vous avez choisi là, de, pour l'actualité de la psychanalyse de nous parler du patriarcat. Oui, bonsoir. Le patriarcat, terme qui était passé de mode, revient aujourd'hui en force dans les médias et dans maints essai philosophique, sociologique ou économique à partir des studies nés dans les universités américaines sur le genre, sur la race, la condition sociale. Ces études constituent la base des luttes néo-féministes, des idéologies dites woke et de l'activisme de la communauté LGBT qui dénonce le patriarcat comme étant un système de domination et d'exploitation créant des injustices. Alors, qui pouvez-vous nous dire en quoi le patriarcat fait l'actualité de la psychanalyse Eh bien, du fait d'y être impliqué, d'abord parce qu'il est un des noms du malaise contemporain et que donc ces questions traversent les discours des analysants. Et ensuite, parce qu'il arrive que la psychanalyse. Soit accusé d'être complice du maintien de l'ordre patriarcal en plaçant le père au centre de la subjectivité humaine. C'est pourquoi l'Eurofédération de psychanalyse, sous l'impulsion de Jacqueline Miller, en a fait le thème de son prochain congrès, pipol 11, qui se tiendra à Bruxelles les 1er et 2 juillet prochains, sous le titre Clinique et critique du patriarcat. Alors, cette consistance soi-disant donnée au patriarcat dans la psychanalyse, qui lui est régulièrement reprochée, justement, est-ce que ce n'est pas un paradoxe En effet, car Freud, déjà dans l'interprétation du rêve, en 1899-1899, relevait que la puissance du père était tombée en désuétude. Et Lacan, dès les complexes familiaux en 1938, évoquait le déclin de la figure du père. Mais beaucoup plus fondamentalement, au-delà d'un simple constat, Lacan a situé et maintenu, tout au long de son enseignement, la fonction civilisatrice du Père, non pas à partir de sa puissance, justement, mais bien plutôt à partir de sa carence et de sa castration. Alors, comment cela Est-ce que vous pouvez développer, justement Cette faute fondamentale du Père est la condition indispensable pour qu'il puisse remplir sa mission, c'est-à-dire limiter la jouissance et donner accès au désir qui est articulé à un manque soit transmettre la castration. Le défaut du père a été élaboré de différentes façons par Lacan au cours de son enseignement. De, du défaut de puissance lié à l'imago, il a été réduit au signifiant, à insignifiant, pardon, le nom du père, et si ce dernier fut d'abord garant de l'ordre symbolique, il a pris ensuite statut de fiction, de semblant, faisant bouchon au trou du symbolique. Pour enfin être pluralisé, en devenant une pure fonction logique, celle de l'exception. Alors faut-il comprendre que ce serait le père idéal, que ce serait le père qu'il faudrait? On pourrait, pourtant. Force est de constater qu'il y a un ou des envers du père pacificateur. Il y a d'abord les maladies du père, car l'Oedipe ne donne accès à aucune normalité. Il produit plutôt des névroses. Et puis si un père se prend pour le père, basculant ainsi dans l'imposture, il fabrique des psychos. Il y a aussi les péchés du patriarcat, selon une expression de Jacques Anna Miller, les abus du père branchés sur la fixité de sa jouissance, traversant la barrière de la pudeur pour rejoindre le réel insupportable. Donc l'idéal et son envers. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire des conséquences de ce déclin aujourd'hui Eh bien, au niveau de la société aussi, on peut dire que le discours capitaliste couplé au discours de la science donne un accès sans frein à la jouissance. Tout ou presque est consommable, mais il y a un effet boomerang. La réaction au déclin du père et des idéaux se fait de plus en plus dure, radicale, voire meurtrière, au niveau politique, mais aussi au nom de la religion, les deux étant souvent noués. On le constate dans les, les, les contrées où l'islam se radicalise, comme c'est le cas en Iran, dont on a parlé aujourd'hui, euh, mais pas seulement. Mais en Iran où le guide suprême détient les pouvoirs de la vie religieuse et politique, considérant l'Occident comme l'ennemi juré. Mais rapprochons-nous de chez nous. La guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, ne tient-elle pas à la décision d'un autocrate soutenu par un patriarche de l'Église orthodoxe Mais plus près encore, dans nos démocraties occidentales, lorsque des dirigeants populistes prennent les rênes du pouvoir, ce sont les fondements de la démocratie elle-même qui sont mis en danger. Et souvent aussi la religion en partie liée, comme les églises évangéliques aux Amériques, ou les catholiques radicaux dans certains pays au sein de l'Europe, aboutissant à des reculs notables du droit, comme par exemple celui de l'avortement. Le combat contre le patriarcat dans nos sociétés vise la domination, l'exploitation et l'abus. Rien n'est plus légitime. Mais un paradoxe apparaît. C'est que derrière une lutte qui semble commune, les discours féministes, trans, ceux qui s'opposent aux injustices sociales ou de race, s'affrontent violemment pour donner lieu à des communautarismes et la haine des autres. C'est là que nous passons, disons, du père au pire, selon une formule de Lacan, mais aussi du père au frère, impliquant des rivalités mortifères. La prédiction de Lacan, selon laquelle la trace, là je le cite, la cicatrice de l'évaporation du père produit la ségrégation ramifiée, renforcée, qui ne fait que multiplier les barrières, fin de citation, est en train de se réaliser sous nos yeux. Alors, qu'est-ce que peut la psychanalyse, ça Bonne question. On pourrait penser que les questions politiques ne concernent pas la psychanalyse. Ce n'est pas la position de Lacan. Qui a donné comme indication que l'inconscient est politique. Jacques Alain Miller en a tiré les conséquences quand il a donné l'impulsion des forums en France au moment des deux dernières élections présidentielles. Mais il nous rappelle aussi qu'à l'heure où les discours s'affrontent, il s'agit de ne pas oublier la souffrance que la déliquescence de l'ordre symbolique provoque pour chaque sujet au un par un. C'est ainsi à partir de la clinique que la psychanalyse peut agir. C'est ce qui justifie le titre du congrès, clinique et critique du patriarcat, mettant le terme de clinique à l'avant-plan. Non pas pour restaurer le père, mais pour l'interroger. De quoi le patriarcat est-il le nom Pour chacun, singulièrement. Mmh. Qu'est-ce qui fait trou, traumatisme pour un sujet Comment cela inscrit-il un programme de jouissance qui lui est singulier et extime en même temps comment bricole-t-il un symptôme qui lui permette de répondre du réel Le thème de People11 se situe ainsi logiquement dans la suite des thèmes des congrès People en articulant la psychanalyse, sa pratique et le, ma le malaise dans la civilisation. Euh, il est actuellement mis au travail dans les différentes écoles de l'Eurofédération de psychanalyse et trouvera son point d'orgue en juillet prochain à Bruxelles. Où nous pourrons nous retrouver en présence, car People est aussi chaque fois un moment de retrouvailles et de fête Merci Guy pour cette chronique d'actualité. Nous rappelons le prochain congrès de l'Eurofédération de psychanalyse, les 1er 2 juillet 2023. À Bruxelles. Un grand merci à nous, Chalmani, pour Mais votre oui, présence dans merci. Un Divan dans le Monde. Vous nous avez éclairés et ça nous donne beaucoup de fils à, à retordre et des boussoles pour penser notre actualité. Et on peut vous lire donc. Et on peut vous lire. Alors précisément, je rappelle vos ouvrages, Roménie, des mois. Un essai d'autobiographie, on pourrait dire Oui, un récit. Oui, un récit. un récit. Éloge du Métec. Un essai. Et un essai. Et puis Les Exilés, Meurt aussi d'amour, votre première fiction. Un roman. Hein Exactement. Un grand merci. Merci, à merci Guy, merci Abnous, et merci de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition de Studio Lacan. Au revoir.